Bienvenue dans ma morning. Je m'appelle Clara et je suis enceinte de 16 mois. Si tu vois cette vidéo, abonne-toi, sinon t'auras des poux. La première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vérifie si j'ai pris des kilos. Car je suis au régime sans gluten et sans aliments. En gros, je ne bois que de l'eau. Et pour ceux qui me diront que c'est pas bon pour la santé du bébé, eh bien, je leur réponds que si c'était pas bon pour lui, alors pourquoi il est encore dans mon ventre au bout de 16 mois et qu'il doit être bien dedans? Je vais aux toilettes pour faire mon gros caca du matin. Mon caca est un bloc d'eau et en même temps, bien évidemment, je fais partager cette expérience avec tout mon voisinage. J'ai une fenêtre juste à côté de mes toilettes et tous mes voisins peuvent me regarder en train de faire mon bloc de caca. Mais c'est pas grave, je suis influenceuse, donc c'est normal que tout le monde me regarde, je partage ma vie privée. Là, je mets ma tenue de yoga, tise le code Clara sur le site Le Yoga C'est du Caca. Pour obtenir moins 20%. L'influenceuse que je suis doit faire du yoga tous les jours. Affronter les haters dans mes commentaires Instagram sur les réseaux sociaux devient ensuite une facilité déconcertante. Après avoir tout vers les chakras de mon corps, je suis totalement détendue. Le yoga apporte des bienfaits physiques et l'assouplit tous mes muscles. Il m'arrive même de tellement me détendre que je me fais dessus. Mais bon, un petit pipi n'a jamais fait de mal à personne. Ensuite, je récupère mon urine, je la filtre, et c'est bon pour l'écologie, je peux boire à nouveau de l'eau. Comme vous l'aurez compris, étant donné que j'ai récupéré l'urine de ce matin, je l'ai filtrée, et comme j'ai une petite soif après le yoga, eh bien je prends ma petite bouteille d'eau, pardon, et je bois. Après avoir récupéré la sueur de mon front pour aider, tout simplement pour l'écologie, je récupère cette sueur, je la filtre comme mon urine et je l'utilise pour aller me laver car oui, faire du yoga c'est quand même un sport, bien que ça détende, donc il faut que je me lave et je me lave avec des produits qui ont été envoyés par de grandes marques, voilà, je me lave au Chanel, au Dior, au Gucci, merci à eux de m'envoyer leurs produits, hein. Je rappelle, mon adresse est dans la description, envoyez-moi tous vos produits. Après ma douche, je ne remets pas mes vêtements de yoga, je les jette directement à la poubelle et j'attends que la marque me renvoie de nouveaux vêtements de yoga. En attendant, je m'habille sur un site qui s'appelle Wish. N'hésitez pas à utiliser le code Clara sur Wish pour obtenir 20% sur votre commande. Qu'est-ce que c'est dur la vie de femme enceinte et d'influenceuse. En parlant d'influence, c'est le moment de vérifier mes commentaires sur Instagram puisque je suis complètement détendue après ma séance et je réponds aux commentaires de mes abonnés comme par exemple Jean-Kévin qui me dit que je suis bonne et de Martin qui me demande mon 06. Oh là là, la vie d'influenceuse avec cette aussi belle communauté. Allô? Oui, bonjour. C'est bien, oui bien sûr, c'est bien Clara l'influenceuse. Instagrammeuse, professionnelle, yogiste, tout ça, bien sûr. Oui, vous m'appelez pourquoi? Ah, c'est pour un sponsor, c'est ça? Vous voulez que je fasse de la publicité pour votre produit? Dites-moi en plus. D'accord, ok. Ah oui, carrément pour deux produits, ce serait pourquoi? Ah, des pampers lorsque le bébé sera né. Et là, dans l'immédiat, parce que bon, comment dire, bébé, ça fait 16 mois qu'il est dans mon ventre, il n'est pas encore sorti, il n'a pas l'air d'avoir envie. Hein. Je pense que d'ici 2027, peut-être qu'il sera né. Donc, parlez-moi de votre second produit. Ah d'accord, une crème qui blanchit l'anus. Ah, ça m'intéresse. Oui, oui, oui. D'accord, mais attendez, avant de discuter de ces modalités-là, j'aimerais bien savoir, mais quel tarif vous me proposez pour votre produit, hein? Je travaille pas gratuitement, hein, vous comprenez bien. Quoi?
Et vous me prenez pour qui, monsieur? Non, non, je ne suis pas Charlie D'Amelio, hein. Je suis bien mieux que ça, monsieur. Vous savez combien de followers j'ai sur Instagram et vous me proposez seulement 50 000 euros? Vous voulez que je fasse quoi avec 50 000 euros? C'est même pas le prix des croquettes du chien que je n'ai pas, d'accord? Vous arrêtez tout de suite et vous me proposez un meilleur tarif, d'accord? Ok? Oui, et alors, oui. Alors, j'ai 1280 followers sur Instagram, c'est énorme, d'accord, monsieur? Ah, vous arrêtez, là. Oh, c'est bon, hein, j'en ai marre. Ils me prennent pour qui, hein? Je ne suis pas un pigeon, je ne vais pas faire de la pub pour 50 000 euros, et puis quoi encore? Après avoir répondu à tous mes mails et répondu au coup de fil, ma matinée n'est pas encore terminée. Comme vous le savez, mon travail, je l'aime, c'est vraiment une passion. Et pour finir, avant de finir mon travail et de finir ma morning routine, qui se finit par manger, eh bien, je descends à mon garage, car j'ai reçu un produit qu'il faut que je mette dans ma story Instagram. Bien évidemment, c'est sponsorisé, hein, et hop! Voilà, c'est une voiture que j'ai reçue. Hop, je vais filmer cette Ferrari. Alors, bonjour mes amours. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle voiture que je viens d'acquérir. Je l'ai eue ce matin et j'ai eu le temps de la tester toute la matinée. Donc, regardez cette beauté. N'est-elle pas magnifique? Cette Ferrari, elle est... belle, rouge, puissante, j'adore, elle tient très bien la route et franchement elle consomme pas beaucoup de diesel, hein, à ce qu'on peut dire, elle en consomme que 150 pour 3 mètres, mais vraiment je vous la conseille très fortement, comme d'habitude vous aurez le petit Clara pour avoir moins 20% sur le site de Ferrari. Ça fait plaisir. C'est cadeau, c'est pour vous la Fafa. Allez, allez, des bisous, mes amours. Et voilà. Non, je n'ai pas menti. On va dire qu'entre deux séances de vous m'avez filmé, eh bien oui, je suis allée tester la Ferrari, bien sûr. Vous croyez quoi, que j'arnaque mes followers? Non mais n'importe quoi. Bon, je vais remonter en haut en faisant attention de ne pas glisser. Ce serait dommage pour bébé, hein. On se relaxe un petit peu avant de finir cette morning routine. C'est quelque chose que je recommande énormément à tout le monde. Vraiment, après votre travail, surtout si votre travail est aussi dur que le mien, n'hésitez pas à prendre une petite pause pour s'occuper de vous, de votre corps. N'oubliez pas de vous hydrater. Bien sûr, je mets le lien en description pour une crème hydratante que vous pourrez acheter à moins 20% avec mon code Clara. Elle hydrate tellement bien la peau qu'en fait, c'est limite, votre peau redevient la même que celle que quand vous étiez bébé. C'est vraiment pas une blague. Vraiment, allez-y, hein. Moi, je gagne rien à faire cette pub. Hein. C'est vraiment pour votre bien-être et parce que je vous aime. Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, il faut vraiment prendre beaucoup de repos pour soi-même. Car voilà, voilà, j'ai fait du yoga tout à l'heure. Je sens déjà que mon corps est en train de se retendre. Mais grâce à ce sauna offert par la marque Jacuzzi, le Banzai, bien dans la description, code Clara, encore une fois, moins 20%. N'hésitez pas à commander sur leur site. On se retrouve dans ma cuisine. Regardez comment elle est belle. Pour la même cuisine, vous pouvez aller sur Ikea Ouch. Ikea Ouch, moins 20% avec le code Clara. Comme je vous avais dit, la dernière chose que je fais pour clôturer ma morning routine, et donc c'est le passage entre le matin et l'après-midi, c'est que je mange. Donc j'ai bien évidemment mis de côté ma petite bouteille d'urine, excusez-moi, d'eau, filtrée, hein, n'est-ce pas? Je bois et voilà, j'ai mangé, c'est magnifique. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une evening, éventuellement night routine. Ce sera avec plaisir. À bientôt. C'est bon, c'est coupé, oui. Ah, enfin, je peux arrêter de jouer la comédie. Cette bouteille d'eau, elle est dégueulasse. Mais qui boit de l'eau en 2021, c'est mort. Hop,
Je vais récupérer mon Uber Eats et je vais aller grailler. D'accord? Allez, viens, on va se mater un petit Netflix.